Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de Wajog. Comme vous pourrez le remarquer, si vous avez vu le 6ème épisode, c'est une suite directe. Le 7ème épisode, c'est une suite directe au 6ème. J'ai repris là, directement où on s'est arrêté. Je vais mettre la vue intérieure. Hop. Alors, je vais rejoindre le petit point point. Donc là, gars, comme vous avez vu, comme je vous ai parlé dans l'autre épisode, j'avais pris les bords. Tiens, d'ailleurs, peut-être que j'ai eu. Un point de compétence, non même pas, putain, fait chier. Faut que je reprenne le blackout. C'était pas mal ça. Hop, je vais hacker l'autre là-bas, là, tant que je l'ai porté. Oh, nouveau véhicule. Oh, comme vous avez vu. En fait, je vous mentais pas, c'est le jeu en fait. Hein. Regarde là, hop. 7 800 $, ou 7 200, j'ai pas eu. Hop, pickpocket. Putain, je peux même pas le hacker, mec. Ok, je suis à la Willis Tower. On a quoi sur Elena? D'après ses mises à jour de statut, elle aime bien les selfies. Là, elle fait une duck face. Là, elle est avec une copine. Ah, elle aime ses chats aussi. Qu'est-ce que tu lui veux, cette pauvre fille? À elle, rien. C'est son oncle que je recherche. Et je pense qu'elle peut me mener jusqu'à lui. Alors, utilisez le profiler pour localiser la nièce d'Angelo Tozzi. Déjà, c'est une fille. J'ai quelque chose. Elle a publié une photo d'elle ce matin. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci les réseaux sociaux. Merci Facebook. Je continue à chercher. 75% de réduction pour un abonnement à l'année. Donc un sac à dos vert. Oh, comme c'est dommage. Pourquoi tu cherches tout ça? Ça m'intéresse pas de la connaître. Je veux juste la retrouver. Hey, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules. Je suis désolée, je décide pas du contenu. Attends. Ah, super. Elle vient de modifier son statut. Elle est dans Connelly Square. Ouais, je l'ai envie. C'est une structure en verre. Tu devrais pas être loin. Ok, Elena. C'est parti. Pirater le téléphone de la nièce. J'ai dû pirater les leurs surtout. Allô? Mademoiselle Tucci, je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre? C'est urgent. Ah, je suis désolé, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. C'était bien, excuse. Des places de concert? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te recherchent. Quoi? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Merci pour le numéro. Angelo Tucci, où est-ce que t'es? Ah, te voilà. Hop. Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité. Je vais chercher. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. On va mettre un petit point point. Alors, par contre, je fais quoi? Je le défends, je le tue, je le neutralise, d'accord. Tu commences à être légèrement nerveux là. Tu l'as retrouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive. Putain. Il y a un truc qui est dommage quand on est en voiture, c'est que dans les rétroviseurs, on voit pas ce qui se passe derrière. C'est un peu con, je veux dire, tout est bien fait. Il y a même le rayon de soleil qui est en train de me défoncer les yeux. Alors qu'un pauvre reflet dans un rétroviseur, on ne l'a pas quoi, c'est con.
Hop. Wow. Il est où? Neutralisé. D'accord. Il est où? Merde. Je me suis fait prendre un sandwich. Je pensais qu'il était tout seul. Bon, c'est pas grave. Comment je pourrais, je pourrais. Au pire, je m'arrête et je tire dans le top. Dans la pété. Angelo Tucci. Ouh, une belle voiture. Type qui organise le transfert de putain. Moi. Oh là là, ça c'est l'habitude de GTA, sérieusement. Je fais A pour courir et. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Et le soleil qui m'éclate les yeux. Je m'envole un peu. Bon, je vais tenter un truc barbare. Putain, il y en a qui savent pas rouler sérieux. Regardez, vous avez vu? Il coupe la route. N'importe quoi. Bon, si je voulais, je pourrais hacker les feux rouges, mais la flemme quoi. On va faire autrement. Notre barbare, rien à péter. C'est où là? Roulez-lui dessus! C'est parti! Ah ouais, d'accord. Laissez-moi me barrer. Ah mais le mec il s'est barré. Non, sérieux quoi. Putain, que c'est vous. Non, mais le mec il s'est barré dans, carrément dans le parc. Bon, on va tenter une autre approche. Mais c'est neutraliser. Neutraliser, c'est quoi? C'est tuer ou. Ou l'assommer ou. C'est quoi? On va y aller en moto. Quoi qu'en moto, c'est un peu chiant, mais bon, tant pis, on va en moto. On va changer de look. Alors, je pense que cette mission va nous faire chier. Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant. Ça par contre c'est super sensible en moto, je tourne un coin à gauche, la moto elle s'envole quoi. Par contre faut pas que je me prends un pet en moto parce que là je pense que je meurs direct. Est-ce que ça fait quoi si je le tue le mec? On va le tenter. Ta gueule toi. Tu vas mourir toi. Vous êtes poursuivis. Bon apparemment tu es le mec, ça marche. Et c'est à ce moment là que j'aurais peut-être dû prendre l'amélioration des grenades. Hop. Je fais tous comme ça. C'est
ils peuvent monter de part, ouais, ils peuvent monter de part. Alors, je dois faire gaffe à mon cul. Par où? Bon. Putain, on veut pas tirer à travers. Fuck. Ouh. Hop, dans moi. Par contre, l'autre caché là-bas, les gens les... Ça dégage. Il est où l'autre? Voilà, hop. Bon, ma dernière technique a été plus que fructueuse. Donc la mode barbare, ça marche toujours. Et d'avoir une petite conversation avec mon témoin. Des bâtons dans les roues. Ok. Prochaine mission, Wario. Ah. Je leur ai déjà demandé s'ils pouvaient le faire glisser sous la douche. C'est des fumiers, mais pas à ce point-là. Je veux me faire arrêter. Bah, bien sûr. Mais pourquoi tu ferais ça? Le témoin en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose? Mon téléphone. J'y crois pas. T'as un vrai problème. Tu deviens accro. Jordi, il me faut mon téléphone. Ils vont me le confisquer dès mon arrivée. Ouais, je sais, je te fais marcher. J'ai justement le type qu'il te faut. Il a une dette envers moi, tu leur as ton téléphone. Nouveau PC, pst. Wario. Tiens, je vais pirater toi. Hop, 780$, c'est de la merde. Bon, on va aller à l'admission directement. Faudra aller, je retire, faut que je vais retirer l'argent aussi. Tenue légère. Le centre correctionnel de Pellin. Grâce à Bloom, cette prison vient d'améliorer son système de sécurité. Serrure en réseau, surveillance automatisée. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie. La technologie, c'est la vie, comme on dit. Bonjour, je vais me faire arrêter. Alors là, je vais juste passer. Bouge pas, lâche ton arme. Attends, vite. Main derrière la tête. Allez. C'est genre le mec qui a vraiment envie de se faire arrêter, quoi. Il y a de l'envie qu'on est quitte. Joe Smith. Ah là là, on est en prison les gens. Allez, on va s'amuser. Enculé, wesh. C'est pas bien, je dis des conneries, enfin je dis des insultes. C'est pas bon, tiens là-bas là. Ça c'est mon pour ma porte, cette connerie. Allez, hop, on change de caméra. Voilà. Toi tu vas tourner à droite. Hop. C'est pas trop là où je dois aller moi. Faut que je vais de l'autre côté. Non. Ah. Je peux pas. Ah, merci. Faut que t'ailles à gauche, mon copain. Tous les tuer, moi. À comprendre.
putain, allez. Non, non, pas à gauche. Enfin, à droite. Qu'est-ce que je prends lui, là. Ok, ça fait rien. Putain, mais il va camper ici, en plus, cet enfoiré, quoi. Ils sont sérieux. Ah, enfin, il bouge. Ah, c'est bien. Ça a du bon sens. Mais ça, ça m'aide pas, par contre. Tu peux pas le pirater, ce truc. Pirater. Ah ouais, merde, c'est au-dessus. Ouais, puis là, c'est en dessous de moi. Voilà, moi, c'est là-bas que je vais pirater. Voilà. Jandy, je suis prêt. Ouh. Ouais, je vois ça. Arrête de jouer au con. C'est toi qui devrais être ici. C'est ta faute, tout ça. Tu devrais surtout parler moins fort. Si t'envoies au trou, je pourrais pas t'en faire sortir. Je vais chercher le planning des prisonniers. Je te rappelle plus tard. Alors là, si je me fais gauler... Ah non, ça. Hé, hey, je crois que j'ai entendu un truc. Je peux rentrer là-dedans? Ouais, je peux rentrer. Ouais, les caméras, je m'en fous. Là, il y a le PC, moi, c'est le PC que je veux. Une caméra cachée dans une boîte, carrément. Oh non! J'ai été repéré! What the fuck? Putain, ça m'apprendra à regarder dans les caméras, quoi. Bon, ça va, j'ai pas aller... J'ai pas aller à... redésactiver cette connerie, là. Putain, j'ai rien. Putain, j'ai eu peur quoi, je pensais qu'il allait foncer sur moi. Genre, je l'ai fait juste avant quoi. Bon, où est-ce que je peux passer quoi? C'est n'importe quoi, je l'ai fait juste avant. On va passer par là-bas, à l'arrache. Ah ouais, faut que je descende là. Non ? Ouais, faut que je descende. Vite, 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 vite. Tu m'as pas vu. Alors lui, normalement, il va rebouger. Allez, bouge. Casse-toi ! Allez! Putain, enfin. Hop. Nouveau projet, TP Rémi Rochemort. Jordi, j'ai trouvé le planning. Elle est où la cour de promenade? En haut. Ce tocard, toi et nu. Allez, tout le monde à bord du Rochemort Express. Tiens, déverrouillé. Hop. S'en fout. On a repéré un bug avec les portes. Je suis tombé sur
Wow. Non. Sérieux quoi. Putain, si je vais pas tout recommencer quand même. Ah non, ça va. Putain, j'ai eu peur. Comment il se barre? Ouais, c'est pour ça que... Il va pas se barrer par contre. Si, il va se barrer. Hop. Voilà. Wouh. J'ai pris une... Ouah, j'ai pris un fusil à pompe. Putain, j'aurais bien l'assommer. Je peux pas prendre d'armes parce qu'il y a l'air d'avoir... Putain, j'ai dit tu prends pas d'armes. Ok, je peux pas prendre d'ascenseur. Putain, ça craint du boulin. Il y a des deux côtés. Au pire, je vais attendre que lui il se barre. Et lui, quand il sera de dos, je vais le défoncer. Putain, ça commence à être trop stratégique le jeu là. Non, je m'en doutais, j'allais me faire capter. Allez, je peux les défoncer au fusil à pompe. Moi, j'ai pas peur. Ah là là. Du coup, ouais, je reprends là. Putain, la fiche. Ah, quoique, c'est en bas qu'il faut aller. Est-ce qu'il va me voir? Non, tu vois pas! Alors j'ai passé le checkpoint en même temps. Est-ce qu'il m'a vu? Putain, il m'a vu quoi. Tu m'as pas vu? Ah, ça j'aime bien les serveurs. Je vais me faire capter, je sais pas pourquoi. Alors je pense qu'il va y avoir une... Voilà, je m'en doutais. Putain de protection, mais un truc de malade. Si je me souviens bien, ce mec avait une sorte de tatouage sur tout le visage. Un truc dégueulasse. Mais facile à repérer. Changement de plan.
Il doit être dans le coin. Notre transfert de prisonniers a raté. Vous êtes le plan B. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout ce qu'il faudra pour faire parler ce type. Ça marche. Un tatouage sur le visage. Pourquoi est-ce que c'est direct dessus? Oh, mais oui. Il était comme des frères. C'est n'importe quoi. Ça doit être chaud à voir tout le monde, quoi. T'as plus l'exécution, cette histoire. Qui ferait un truc pareil? J'ai une théorie, ma gueule. Laisse tomber. Je sais à qui tu penses, mais il n'existe pas. Ouais. Je t'ai retrouvé. Tu es là, petit coquin. Et maintenant, comment te faire partir d'ici? Qu'est passe? Mais pourquoi je dois être transféré? Et vous êtes qui? Vous êtes qui d'abord? Il est où mon avocat? Mais répondez-moi! Mais tu vas la fermer, mais pas très! Où est mon avocat? T'emmène le voir, ton avocat. Non, jamais de la vie. D'abord, faut qu'on te nettoie un peu, monsieur. Je veux pas suivre. Mais ta gueule, putain, ta gueule! Merde, je ferais mieux de le retrouver avant qu'il le tue. Ah ouais, ils sont comme ça. Là, il y a un problème. Des gardes viennent d'embarquer notre cible. Merde, ils sont au sous-sol, vas-y. Ouais, wow, d'accord, il y a du monde là. Qu'est-ce que c'est ça? Merde, c'est beaucoup là. Hop. Au revoir, monsieur. On dirait que la prison sert de couverture pour une opération bien louche. Qui fait respecter la loi, c'est beau quelque part. Les portes sont ouvertes. Gueule aussi, moi. Personne à cet étage. Aucune alarme a été déclenchée, fais attention. Bordel, qu'est-ce que de manger là comme vous foutiez au stade? Vous faites du business sans nous ou quoi? Tu crois qu'on n'a pas des amis au placé, connard? Eux aussi, ils veulent avoir leur part. Oulalalalalala. C'est pas la ville. On nous a appelés. Et on s'est fait baiser, quoi. Juste focus. Alors arrête de mentir. T'avais prévu que tu veux mourir? T'as pitié, quoi. C'est la vérité. On n'est pas obligé d'en arriver là. Oh. Ah ouais. Et moi je fais comment sans armes? Ça, c'est les comics, ça. Mais lol, quoi. Comment je fais, moi? Je préviens, t'aggraves ton cas. J'ai pas d'armes. Laisse-nous à terre. Allez, allez. Ouais. Sors les mains en l'air! Je préviens, t'aggraves ton cas! T'es foutu! T'as nulle part où aller! Allez, les mains en l'air! Comment je vais faire, moi, sérieux? En toi! Je peux rien faire! Encore, je pourrais les faire exploser, ça m'aiderait. Ah bah. Ah là 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 là, si vous êtes drôle. Dégage toi. Hop, en moins. Hop, devant moi. Surveillez vos arrières. Voilà. What? Cible repérée. On approche. Je crois que ça servait à ça les pièges en fait. Ah
die, motherfucker! Je suis plus là. Je suis en train de mettre ça encore. Allez, bim! Quoi, ils nous ont envoyé deux? Oh, lieu de Harman. C'est bien, je me refais des flingues. Je veux bien retrouver tout mon équipement, par contre, moi. Donc les pièges, je pense que ça servait pour pour le mastodonte. Je viens te sauver, mais te tuer. Au secours, putain ! T'es entré, au secours ! Comment t'as fait pour entrer, mec ? Oh, tu sais, c'était plutôt facile. Les prisons haute technologie, ça simplifie les choses. On se connaît ? Non. Quoi ? On se connaît. Non, non, non. Je t'ai jamais vu, mec. Je me disais aussi. Donc, t'es ici pour 60 jours. Mais tu sors dans 30 jours si tu te tiens bien. Et maintenant, c'est marqué quoi, là ? 60 ans ? Mais qu'est-ce que tu fous, mec ? Je te montre juste un avenir différent. Tu vois ? Des fois qu'ils te prennent l'envie de parler. Ou de passer un marché avec les flics. Il fait le gros bâtard quand même. On se comprend. On a besoin d'une unité à la blanchisserie. On a perdu le contact. Reçu. On y va. Au final, il parlera pas, le mec. Jordi, c'est fait. Super. Bon, j'imagine que tu veux sortir. T'en fais pas, je t'ai envoyé un petit colis surprise. Où ça ? T'inquiète, tu peux pas le louper. Ouais ! Serait-ce mon équipement ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tout noir, je vois plus rien. Ah ! Ça, c'est bon, ça. Appel à toutes les unités. Un suspect a été repéré. Les officiers ont besoin de soutien. Blackout ? Débloquer la compétence pour fabriquer cet objet. Ah, c'est-à-dire peut-être que j'ai un peu de compétence. Hop. Non, c'était pas là. C'était où ? C'était où ? C'était peut-être ici. Blackout, voilà. Ça c'est bon, ça. Hop, on va prendre des grenades aussi, ça pourra servir. Par contre, il y a un petit peu beaucoup de flics. Même un peu beaucoup. Putain, en plus j'ai qu'une sortie, go. Grillage. Je peux pas en construire, je peux pas en construire. Boost focus. Peut-être. À côté Rochefort. C'est le gars. Désolé, c'est de ma faute. Je te préviens, c'est du lourd. Du très très lourd. S'en fout. C'est toi qui as creux. Putain, je suis même pas sorti, j'ai déjà. Alors là, je pense que je suis dans la merde. Ah, je le vois pas.
Putain, t'as cru. Ouais, mais moi je vais bien me barrer. Resserrez-vous sur le côté, allez! Ouh, ça commence à se rapprocher là. Putain, mais je vois que de l'œil, tout le soleil là. Dégage toi. Putain, mais c'est trop mal celui quoi. Je sais pas, la police, c'est un grand mot. Sniper, sniper. Putain, mais je peux pas le tuer moi. Wow. Dégage. Hop, dégage. Il est où, là ? Non ! Dégage ! Putain, mais ils sont où ? Personne en haut. Bon, ça y est de sortir. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous le feu. On ouvre le feu. D'accord, moi je me casse. Attention, une voiture de patrouille de choc se dirige vers la position du suspect. Wouhou. Putain, comme bazar, il faut au moins. Calmez-vous. Sors, rangez-vous. Laissez tomber, dérangez-vous. Hop, dégage. Je vais l'arrêter, sortez-le. Aïe. Arrêtez-vous, je répète, arrêtez-vous tout de suite. Merde, je le doutais. Ah, désolé messieurs. Vous avez pas vu. Ah, même messieurs. Hop. Merde, ça marche pas contre les hélicos. Putain. Est en route vers sa position. Dernier contact avec le suspect à un pâté de maison d'ici. Depuis, plus aucun signe. Enfin, passage. Wow. Au final, j'ai bien fait prendre la compétence. Deux ponts, hein, sérieusement. Je reste anonyme. Maintenant, les tueurs de l'ENA. Je veux savoir qui est responsable. Damien m'a parlé d'un deuxième. Je crois que j'ai ma voiture qui fume un tout petit peu. Il faut que je découvre ce qu'il sait. Voilà, on a terminé la mission. Eh bien les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter, je pense. Ouh, ça sort XP. Arrête-toi toi. Hop, on se barre en train.
pas tué. On s'entendait si bien avant. Je t'ai appris plein de choses. T'es un hacker professionnel. Et c'est toi le mec des infos. Le justicier. T'as parlé d'un deuxième hacker pendant le job du Merlot. Mais ça, on le savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, t'as quelque chose de nouveau. Ah, intéressant, pas vrai? Viens me voir. Je t'expliquerai. Dis-moi d'abord. On verra si j'ai envie de te voir. Non, non, mes infos, mes règles. En plus, il faut qu'on rattrape le coup de la dernière fois. Allez, Aiden. Dépêche-toi. Voilà. Bon, faudra aller voir le mec. J'ai oublié son prénom, mais bon, on s'en fout. Nous, c'est ici qu'on s'arrête pour le 7ème épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo. Rejoignez la chaîne, le Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve très bientôt pour le 8ème épisode. Portez-vous bien et à bientôt.